Bon les amis, nous voilà sur la route. Alors comme vous pouvez le voir, c'est le désert, c'est très très spécial. On a l'impression que la vie s'est arrêtée. Alors ici, les gens font très très attention car on est à quelques kilomètres à peine du premier cluster de l'épidémie. Et donc, on a énormément de malades. Il y en a même pas mal dans le village, etc. Donc les mesures de confinement sont très très bien respectées dans l'ensemble. Le gros problème, comme un peu partout, c'est les centres commerciaux, etc. Parce que bah, c'est vraiment les moments où on a le plus de chances d'entrer en contact avec le virus. Allez, je vous reprends un peu plus haut. Voilà, on est arrivé. Alors regardez cette sublime pâture là qui vient juste d'être tondue, qui est un ancien labour hein, que j'ai fait des dizaines de fois, mais là elle nous appelle. Hein. Eh ben non, il n'y aura pas de détection et quand le confinement sera levé, l'herbe aura beaucoup poussé. Je pense pas que ça sera possible de poêler. On verra. Oh, il y a du soleil, hein. C'est une belle journée. Hein. Et donc vous voyez ici. Le premier ramasseur, donc je me transforme en ouvrier agricole. Je viens aider mon ami l'agriculteur qui me donne les autorisations à ramasser des asperges. En général, on va être 6-8 employés. Et moi, je le fais à titre totalement bénévole. Hein. C'est pour lui rendre service, il a besoin de bras. Et donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. On va voir ensemble. Alors, on va passer la journée ensemble. À l'après-midi, je vous montrerai ce que je fais. Ça sera plus du tout du ramassage. Le ramassage s'arrête vers à peu près 11h. On va ramasser en gros 180 kg, 150, 180 kg d'asperges. Et donc, je vous reprends pour vous montrer comment ça se passe. J'ai pas besoin de couper d'ailleurs, vous allez voir. Dans les butées, là, vous avez les asperges blanches. Et ici, vous avez les asperges vertes. Alors, les asperges vertes, vous voyez, il n'y a pas de butée comme pour les blanches. Et donc, la cueillette est faite que par le patron, qui est là-bas. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et c'est assez spécial, c'est-à-dire il faut les mesurer. Donc, il a un petit mètre et ça se coupe au couteau. Ce qui n'est pas du tout le cas des blanches. Alors, vous voyez, il y en a partout des vertes. Hein, je ne sais pas si vous allez les voir à l'agrandissement. Mais il y en a partout, donc il les mesure et tous les matins, il y a 160 kg qui sont ramassés sur les deux spots, hein, ce spot-là et le spot d'à côté. Voilà, je vous reprends pour vous montrer comment on fait avec les blanches, c'est très spécial. Eh oui. Alors ici, on est avec le patron, il fait semblant de travailler. Voilà, comme d'habitude. Tu mesures pas pour les grandes? Eh non, à force. Ah si, avec ton couteau? Ouais, mais pour celle que je suis pas sûr, sinon. Allez, c'est parti. Sinon, je suis sûr. Donc les vertes, vous voyez, ils se les réservent parce que c'est vraiment le plus facile, le plus tranquille, il n'y a pas à les rechercher sous terre et tout. Oui, la terre est basse, oui. Attends, t'as 35 ans, t'es un gamin. Ouais. Tu vas pas pleurer, hein? Non, j'ai deux fois 20 ans. Bon, allez, je vous montre comment ça marche pour les blanches. Donc voici un des deux outils importants, le cueilloir. Alors le jeune homme a ramassé déjà tout ça. Vous voyez, c'est de la belle asperge blanche à tête violette. Et donc, elles sont posées tête vers le fond, comme ça, à la fin. Tiens, il va le faire là. Voilà. Vous allez voir tout de suite. En direct, avec le grand couteau. Comme ça, elles vont toutes être à la même longueur. En plus, apparemment, il n'a pas picolé hier soir, donc ça va tout seul. Ça va tout seul. Ça leur a aiguisé encore un peu le couteau. Ah oui, c'est la classe. Hein. Ça, c'est un couteau qui coupe. Et voilà, impeccable. Et moi, je vous montre le deuxième outil indispensable, la gouge. Alors la gouge, alors déjà, il faut repérer les asperges. Voilà, par exemple, on voit là une. Vous voyez, contrairement aux vertes, elles sont déjà grosses, elles ne pousseront plus. Et c'est là. Par contre, il faut aller les chercher environ 20 cm de fond. Donc faut pas faire de bêtises, faut bien viser. Alors où on peut, pour se donner un peu d'idée, enlever un peu de terre. Et ensuite avec la gouge, on vise et on part. En gros, au début c'est pas facile. Hein, à 20-25 cm de fond. En essayant, voilà, là je l'ai trouvé, on la sent, elle bouge
Vous voyez, voilà, on met des petits à-coups dedans, on lève et hop, voilà. La première, donc celle-ci, vous voyez, est un tout petit peu courte, je suis pas bien réveillé, il va falloir les cueillir 3, 4, 5 cm plus long. S'il fait des courtes, non, elle est limite, t'as même rien à y faire. C'est limite. Voilà. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure les amis. Amener ton détecteur ? Non, j'ai pas amené le détecteur. Donc bah, pour ceux qui connaissent mon binôme, bah, il est comme tout le monde. Et voilà. Oui mais attends, je veux te voir avec la gouge. Là, il y en a une belle d'asperge si tu l'as du premier coup. Elles sont tordues. Ah, elles sont tordues. Et voilà. Ah bravo. Bon. C'est ça du travail de vieux. Ah, les ouvriers des pays de l'Est, ça travaille bien quand même, hein. Ah. Bon, là on commence à être du personnel, le papa est arrivé, la maman est arrivée. Papa, la dernière fois, j'ai dit un petit nouveau, il travaille pas mal pour un petit nouveau, il me dit ça fait 47 ans que je déterre les asperges tous les jours. Bon, allez, on continue. Et une précision, vous voyez, ça fait des trous. Et bien, comme en détection, on rebouche les trous. Allez, c'est reparti. Bon, le premier petit champ se termine. Alors, ce petit champ d'asperges, hein, il m'a donné beaucoup de bonheur. Hein. Regardez le petit enclos qui est là. Et c'est un juste retour des choses de donner un coup de main. Alors pour tous ceux qui râlent un peu, qui disent « Ouais, moi la grille, il m'a refusé les autorisations et tout », bah profitez du confinement. En ce moment, ils ont besoin de bras. Donc si vous en connaissez un qui fait des asperges ou qui fait, je sais pas, de l'artichaut, j'en sais rien, j'y connais pas grand-chose, bah allez proposer un coup de main, vous verrez que les autorisations, ça va être beaucoup plus facile. Alors, ça se termine, c'est bien rangé. Ah, c'est des grosses palettes. Là, les vertes, ça c'est mes préférés, ça fond dans la bouche. C'est les plus proches des asperges sauvages. Hein. Moi, j'en ramasse dans les champs, hein, dans les pâtures hein, de l'asperge. C'est excellent, c'est vraiment excellent. Vous allez voir, vous avez vu même les plus grosses là, que ce soit des vertes ou des blanches. Et c'est pas de l'asperge de supermarché, hein. Ça, on mange ça tout jusqu'au bout. C'est-à-dire que cette partie-là, ici, là, elle est tendre. Je vous montrerai ce soir. Parce qu'on va en manger un petit peu. Et en plus, au niveau tarif, vous êtes dans les tarifs de la grande surface, voire moins cher, avec beaucoup plus à manger. Parce que moi, j'en ai pris en grande surface la dernière fois. On mange que les têtes. Par contre, on paye le reste hein, en poids. Hein. Donc voilà, là, moi, je mange tout sur celle-là. Allez, je vous reprends au deuxième champ à la fin. Et ensuite, on finit la journée ensemble. Bon voilà, premier champ qui se termine. Donc en gros, 80, 100 kg d'asperges toutes fraîches, toutes belles, toutes bonnes. Un petit peu de repos pour tout le personnel. Allez, travaille au lieu de jacasser, toi. Il garde partout. Qu'est-ce qu'il fait le chercheur? Si tu veux devenir une vedette de YouTube, faut pas que tu fasses semblant. Hein. Ouais. Bon, ça commence à avancer un petit peu. Un petit peu. Ouais. C'est à qui ça? C'est à moi. Je fais ma pause syndicale, on a demandé une augmentation, donc on passe de 0 centime de l'heure à 0,20 centime de l'heure. C'est Royal Aubert. Bon. Bah, je vous dis pas les amis comment ça fait mal au dos. Hein. Ah, surtout moi, je suis pas un manuel. Bon, enfin. On dormira mieux cette nuit. Allez, 3 minutes de pause et on y retourne. Donc voilà, on arrive au deuxième petit champ. Alors beaucoup moins d'allées, une allée chacun. Mais alors il est très long et ça monte. Donc on emmène l'outillage vide et on fait la descente pour pas que ça soit trop lourd à faire un aller-retour.
ici, donc ben voilà, hein, notre champ, on a fait là les 3-4 dernières vidéos, et regardez, les betteraves lèvent déjà. Ah oui, avec tout ce beau soleil là, ça fait plaisir. Bon, ça donne envie, hein, les amis. Voilà, on va se retenir encore 15 jours, 3 semaines. Et après, là en bas, il y a du maïs. Là à côté, il y a du maïs. Donc pareil, c'est des champs que j'ai fait X fois, mais je les essaierai avec le simplex, voir ce que ça donne entre les travées. Allez les copains. Bon les amis, après l'effort, le réconfort. Donc de retour des champs. Là, 1 kg d'asperges vertes. Alors je peux vous dire que ces asperges là, tout se mange. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin, il n'y a pas comme sur les asperges industrielles, on peut manger ça, puis tout ça c'est plein de fils, là tout se mange jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais vous donner ma petite recette toute simple, elle est connue, hein, c'est pas pour faire une recette de grand chef, mais alors c'est une tuerie, c'est super bon. Et c'est très facile à faire, il n'y a pas grand chose. Habituellement, vos asperges, quand vous les mangez, ben, vous faites une grosse bassine d'eau, vous mettez du gros sel, vous faites cuire, vous piquez, et quand c'est cuit, hop, on mange un peu de maillot ou un peu de vinaigrette, et ça fait l'affaire. Là, on va faire une variante où l'asperge ne va pas être cuite à l'eau. Donc, je vous explique ce qu'on va faire. Je vais les éplucher très rapidement, une fois, avec un économe, hein. Vous voyez, les petits économes qui font les allers-retours, là, ça va très très bien. La peau est très fine, c'est presque pas utile de les éplucher, mais moi, je les épluche une fois. Ensuite, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, que vous voyez là, vierge. Des œufs bio, tant qu'à faire, hein, autant faire prendre un bon produit. Et donc, je vous explique ce qui va se passer. Une fois les asperges pelées, on les coupe en trois. On verse une bonne quantité d'huile d'olive. On les met à feu vif dans les asperges, dans l'huile d'olive. Ensuite, on les pique un petit peu. Dès qu'on sent qu'elles sont croquantes mais pas trop cuites, on les enlève de l'huile, on les met dans une autre poêle. On fait une petite omelette avec les œufs. On met les œufs sur les asperges et il n'y a plus qu'à se régaler. Sel, poivre, évidemment. Voilà. Donc vous voyez, tout facile. Mais si vous essayez, vous allez voir, c'est une tuerie. Allez, je pèle et je vous reprends. Bon, je viens d'en éplucher une dizaine. Ensuite, je les coupe en 4 morceaux. Elles sont tendres. C'est une folie, quoi. Donc, chaque asperge coupée en 4 morceaux. L'huile d'olive est là. Donc, il faut mettre une grosse quantité. Hein. Il faut que ça baigne dedans. Hein. Et donc, eh ben, on va faire chauffer l'huile maintenant. Et ensuite, attaquer la cuisson. Donc on vérifie au couteau. Précision que j'ai oublié de vous donner, même deux. Évidemment, il faut les nettoyer, hein, avant de les mettre dans l'huile. Hein, parce qu'elles sont ramassées dans le sable. Les terrains sont très sableux là-haut. Et donc, si vous voulez pas que ça croque, il faut bien les nettoyer. Hein, vous les mettez dans le chinois et puis vous faites couler à grand eau. Ça se nettoie tout seul. Deuxième petite chose, vous avez vu que c'est des asperges vertes. Et moi, je préfère... C'est les asperges, si vous voulez, les plus proches des asperges sauvages. Il y en a plein chez nous, mais il y en a sûrement chez vous. C'est-à-dire, quand vous allez dans les champs de grandes herbes, vous allez voir. C'est ces asperges qui sont facilement reconnaissables, puisque après la saison, elles font comme des arbres. C'est les petits arbustes qui c'est les graines et tout ça qui poussent. C'est très très bon, hein, l'asperge sauvage. Par contre, bah, comme en détection, hein, il faut l'autorisation pour les cueillir, parce que le terrain appartient à quelqu'un, et peut-être que le propriétaire les cueille. Voilà, donc je fais chauffer l'huile, je les lance dedans, et je vous reprends. Bon voilà, on entend l'huile qui commence à bouillonner. Pendant ce temps-là, c'est l'art de la cuisine. Pendant que quelque chose se prépare, on prépare la suite. Donc les œufs pour l'omelette sont là. Je vais les battre à la fourchette, et en attendant, on prend les asperges coupées, et... dans l'huile d'olive. On les étale bien pour qu'elles soient toutes bien imprégnées. Voilà. Impeccable bien.
Et pendant ce temps-là, bah, on s'est préparé une omelette. Hein. Ouais, cette recette, elle est super simple, mais vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Ceux qui veulent essayer, vous m'en direz des nouvelles. Et ce qui est bien, voilà, il y a 1 kg parce que je prends... En réalité, les asperges, 1 kg, si on veut des très grosses, j'en ai dans le frigo, là, parce que j'en ai pour... J'en ai aussi pour les beaux-parents. Vous voyez, ça, c'est des vertes aussi. Regardez, les mastards, tous mangent aussi. Hein. Elles sont au même prix, mais évidemment, il y en a moins dans 1 kg. Donc, avec des petites, quand on veut faire des plats, ou à la plancha, ou ben, plus elles sont petites, et mieux c'est, elles sont, avec notre ami Cédric, elles sont au même prix. C'est-à-dire, grosso modo, autour de 7-8 euros le kilo. Donc, vraiment, vraiment cadeau pour de l'asperge de cette qualité. Voilà, donc je recoupe, je vous reprends dès que qu'elles sont prêtes pour la partie finale. Allez. Alors, comme vous pouvez le voir, regardez comme le... Enfin, vous ne pouvez pas sentir, mais vous pouvez voir. Donc évidemment, les pointes, c'est ce qui a cuit en premier. Et quand on pique, pour savoir si c'est bien cuit, évidemment, il faut piquer le fond. Et que, voilà, ça passe bien à travers, ça n'accroche pas la fourchette. Encore une à deux minutes et c'est prêt. Alors donc après évidemment on met pas les œufs là-dessus, hein. C'est-à-dire qu'après on égoutte les asperges, on change de poêle, une petite poêle, et bah, enfin je vais vous expliquer tout ça. Allez, à tout de suite. Et voilà, c'est parti. Les asperges sont dans la poêle. Alors je ne les ai pas complètement égouttées, il faut les laisser avec un tout petit peu d'huile. Et l'huile va être gardée pour la prochaine fois. On peut faire 5-6 omelettes avec sans changer d'huile. Voilà. Et là, eh ben on va mettre à feu doux, tranquillement. Et le sel, le poivre, je les ai adjoints directement dans l'omelette. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Alors, en baveuse, hein. Enfin, sauf si vous aimez très très cuit, mais en général, il ne faut pas que ça soit trop trop dur. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Miam! Bon, visuellement, c'est pas le plat le plus sexy du monde, hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon? Vous m'en direz des nouvelles. Alors surtout, ne jetez pas, si vous découpez, si vous en avez très grosses, que vous découpez le bout et vos épluchures, ne les jetez pas, car dans l'asperge, tout se mange. Avec tous les restes, comme ça, vous pouvez faire un délicieux velouté d'asperge. Très bonne soupe. Allez, à plus les amis.